que l'on jette dans l'eau vive d'un ruisseau et qui laisse derrière elle des milliers de ronds dans l'eau. Comme un manège de lune avec ses chevaux d'étoiles, comme un anneau de Saturne, un ballon de carnaval. Bonsoir Nathalie, bonsoir Michel. Bonsoir. C'est un plaisir d'être avec vous pour évoquer votre collaboration. Donc je vais commencer, je vais me tourner vers vous Nathalie. Nous nous étions rencontrés tous les trois il y a près d'un an et à l'époque vous aviez eu cette phrase magnifique, vous m'avez dit « Moi Michel, je le connais depuis l'âge de 6 ans ». Alors vous allez développer, parce que c'est pas réellement ça, vous avez rencontré la musique de Michel à l'âge de 6 ans, c'est ça ? Oui, j'ai rencontré la musique de Michel Legrand quand j'ai vu Peau d'âne pour la première fois. J'ai donc découvert à cette occasion aussi Jacques Demy et Catherine Deneuve. Donc tous les trois ont fait une espèce de feu d'artifice dans mon esprit d'enfant. Et c'est comme ça que je suis tombée amoureuse de la musique de Michel Legrand, ne sachant pas naturellement que quelques 40 ans plus tard, j'allais le rencontrer pour de vrai et chanter sa musique et ses chansons. Écoutez, j'avais entendu Nathalie, moi, dans des disques comme ça, à la télévision, à la radio, et j'avais découvert que ce génie, cet interprète sublime, avait une tessiture extraordinaire, telle que tout à coup, j'entendais des airs d'opéra que je pouvais aimer beaucoup ou moins, mais qui étaient interprétés de telle façon que c'était sublimoscope. Je veux dire, qui sont des vocalises extraordinaires, qui sont au-dessus de la planète Terre, je veux dire, au-dessus de la troposphère, Et puis ensuite, il descendait dans les graves comme ça, formidable. C'est pour ça que j'ai pris mon titre « Rien n'est grave dans les aigus » pour Nathalie, car j'étais tout à fait intimidé par cet interprète tout à fait extraordinaire. Et quand j'ai appris qu'elle désirait chanter mes chansons, je me suis caché, quoi. J'osais pas. Les bras vous en sont tombés, ce qui est dommage pour un pianiste. Ben voilà, voilà. Pour un pianiste, c'est embêtant. C'est ça. Il n'y a aucune chanteuse comme Nathalie au monde. Non, et vous savez pourquoi ? Oui. Vous savez pourquoi ? Oh, je devine pourquoi. Non, vous ne savez pas pourquoi. C'est parce qu'il n'y a personne qui aime vos chansons comme moi je les aime. Et c'est ça la différence. Parce que des voix et des interprètes magnifiques, il a travaillé avec tout le monde, avec tous les plus grands, toutes les plus grandes. Donc moi je ne suis qu'une minuscule poussière parmi tout ce florilège de gens. Mais je me targue d'être celle qui aime le plus les chansons de Michel. C'est tout. Voilà. Alors, est-ce qu'on n'écouterait pas un texte de quelqu'un qui n'était pas parolier, d'ailleurs, à l'origine, mais qui a écrit beaucoup de textes de vos chansons ? C'est Jacques Demy, le réalisateur. Oui, mais vous savez, il était pas parolier, mais il était poète, déjà. En tout cas, jusqu'à sa mort, qui a été tragique, Pour moi, on m'a enlevé un morceau de moi énorme, comme ça. Si vous voulez qu'on écoute une chose de Jacques Demy, ça me ferait très plaisir. Tout de suite, alors, dans ce cas. Nous sommes de Saint-Gilles, nés sous le signe des Gémeaux, mi fa sol la mi ré, et mi fa sol 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 ré do. Toutes deux demoiselles ayant eu des amants très tôt, mi fa sol la mi ré, ré mi fa sol 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 ré do. Nous fûmes toutes deux élevées par maman, qui pour nous se prive à travailler vaillamment. Elle voulait de nous faire des érudites, et pour cela vendit toute sa vie des frites. Nous sommes toutes tenues de père inconnu, cela ne se voit pas, mais quand nous sommes nus, nous avons toutes deux au creux des reins, c'est fou. Là, un grain de beauté qu'il avait sur la joue. Nous sommes deux sœurs jumelles, nées sous le signe des Gémeaux. Merci infiniment à Michel et Nathalie d'être venus, d'avoir répondu à mes questions. Merci de l'accueil. Merci de votre accueil. Au revoir. Attendons de l'amour ce qu'il est convenu d'appeler coup de foudre, sauvage passion. Nous sommes toutes deux